Vous avez été blessée par les commentaires d'une certaine presse italienne? Oh non, je suis jamais blessée par les commentaires de la presse. Bon, la presse proche, celle de Berlusconi, critiquait votre démarche? Non, absolument pas. Vous savez, j'ai pas beaucoup de sentiments avec la presse. Je n'ai pas mon besoin de liberté ou de provocation, ni dans mon comportement face aux médias, ni dans ma manière de m'habiller. D'abord, je ne suis pas provocatrice, ce n'est pas quelque chose que j'aime. J'aime plutôt m'adapter que provoquer. Et ensuite, j'aime la liberté. Et la liberté, on ne la trouve que sans conflit. L'agression physique. Sì. Sono così loro, poverini. Fanno anche un mestiere non facile, perché devono sempre essere sul momento. Nello stesso tempo sono utili per raccontare al mondo intero certe cose. Certe... Sì, vraiment la fonction che je respecte en faisant cela. Ce qu'elle représente pour les gens de mon pays, pour les gens qui ont élu mon mari, et même pour ceux qui ne l'ont pas élu. Le fait de représenter un pays, excusez-moi, ça me dépasse, oui, je fais gaffe. Et je le fais volontiers pour mon homme. Je ne le fais pour rien d'autre, pour personne d'autre. Needless to say, life downtown today is a little bit different. The restrictions affecting everything from bus routes to restaurants. We sent Channel 4 Action News. And what about what she believes in? How does she reconcile her position and her values as an artist? A few months later, at the G20 in Pittsburgh, Burmese demonstrators try to make themselves heard by world leaders. This cause is particularly close to Carla's heart. But what can she do for them from behind her hotel window? Moi, je vais juste me changer. Je me mets un jean et un t-shirt parce que je me sens toute Je leur ai envoyé une lettre au gouvernement birman il y a un mois, juste avant le procès d'Aung San Suu Kyi. Il me semble que ce beau pays mériterait la possibilité d'un état démocratique, quoi, et que cette femme le représente. Je pense que les gens ont besoin de communiquer ce qui leur tient à cœur, ce qui leur paraît essentiel. Et donc ils veulent communiquer cela aux personnes qui dirigent leur pays. C'est bien naturel. À la place où je suis, franchement, je pourrais être avec ces gens. Je me sens pas tellement installée, quelle que soit ma situation conjugale, je me sens pas tellement installée dans cette position. Je me sens pas faire partie, évidemment, des leaders. Moi, vous savez, je sais pas, mais... Enfin, pour moi, ce côté... quand on est l'épouse de quelqu'un, on est comme ce quelqu'un, c'est une chose vraiment absurde. Enfin, mon mari, c'est pas un chanteur folk, vous voyez, c'est pas parce qu'il m'a épousée qu'il deviendra un chanteur folk. How does she find her place? Which causes should she defend? Rich and famous since childhood, she's always used her fortune and her image to help others, especially since her brother Virginio died of AIDS in 2006. L'impact que l'on a tout d'un coup quand on est dans une position pareille, cet impact infiniment supérieur même à celui que j'avais en tant que personne célèbre ou en tant qu'artiste ou en tant que mannequin dans ma jeunesse. C'est un impact tellement supérieur que je trouve, j'aurais trouvé dommage ne rien en faire, quoi, et simplement subir, en quelque sorte, la pression de cet impact sans l'utiliser pour aider les gens, parce qu'on peut aider beaucoup plus de monde quand on est dans cette position, et c'est beaucoup plus fort. It all began on the 1st of December 2008 at the Hotel Marinier. Journalists from all over the world are expected in a few minutes. Recommandez-vous l'usage du préservatif? Certes. Et ça c'est en Afrique. Eh enfin. Oui. Malheureusement, essentiellement. Vous avez un contrat? Oui, super le trac. Ok, d'accord. Mais toujours, pour tout, j'ai le trac. Là, elle va juste...
Vraiment, pour tout ce que je fais, j'ai le trac. Tout, depuis toujours. Même quand j'allais en classe, j'avais le trac. À la télé, j'ai le trac. Dès que je suis dehors avec mon mari, j'ai le trac. C'est un nouveau... Non, mais le trac, c'est pas nouveau. Hein. Non, j'ai toujours eu. On y va ? Oui. Merci à tous d'être présents. C'est un privilège pour moi d'être distingué par le Fonds mondial. Je voulais dire que je ne m'engage pas par hasard aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui est le prolongement de quelque chose que j'ai déjà fait avec ma famille. J'ai le sens du devoir, j'aime bien ça. Et si je ne l'avais pas, j'aurais juste passé ma vie à oublier, parce que c'est ce qui fait le sens de ma vie, ouais. Me secouer, en quelque sorte, faire les choses, y aller, quoi. Nicolas Sarkozy termine sa visite dans le golfe Persique. Il est actuellement à Bahreïn et se rendra ensuite au Koweït. Son épouse, Carla Bruni Sarkozy, est également en déplacement. De son côté, elle fait une visite de 24 heures au Burkina Faso en Afrique. It's Carla's first official trip for the Global Fund. Her mission is to help change people's way of thinking and to convince the world of the need for treatment so no child is born HIV positive in the world by 2015. When you actually give the medicines to the mother during the last 3 months of her pregnancy, then the child will be born healthy. And as an ambassador for the Global Fund, I've been concentrating on the transmission from the mother to her child, because of course this is a root in the HIV problem. A gesture or a word is sometimes all it takes to change the image of the illness. There is also a taboo, you know, about the HIV, and it's very strong in some countries. The minute they're not ashamed anymore, the minute they face it, the minute they get tested, and the minute they accept to take the medicine, they'll survive. There are 130,000 HIV-positive people in Burkina Faso. Half of them are women, and almost 10,000 are children. Without preventative treatment, one in five children will be born with the virus. Il faut qu'elle soit solide pour pouvoir mener ce combat. Tant qu'elle n'est pas solide, on peut la déstabiliser ou elle peut ne pas amener à bout son activité. On doit l'accompagner pour que ça soit une réussite et on doit l'accompagner pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Le fait qu'elle soit solide aussi va permettre à d'autres ambassadeurs à venir, à suivre le pas et à nous accompagner. Et ensuite, on va pouvoir vaincre tous ces fléaux hors de l'Afrique, hors du monde. Au revoir, au revoir. Sarkozy, maternité. Je vais appeler Nicolas pour que je dise. Il faut appeler ça la maternité. Je me dis qu'il y a beaucoup de travail, vraiment du pain sur la planche, ça je m'en aperçois. Et je ne sais pas si je pourrais faire plus qu'une goutte d'eau. Bon, si déjà je fais une goutte d'eau, c'est déjà ça. En tout cas, je mettrai mon énergie là-dedans, effectivement. C'est ma chanson. Des étoiles, plus salées, canalisées, plus salées, canalisées, plus en tête qu'un mistral, plus en tête qu'un mistral. Au revoir marin. Salut marin is a song dedicated to her brother Virginio, who died of AIDS. Carla was with him until the end. Salut marin, bon vent à toi. Je te dis bon vent, mais simplement. Vous avez proposé de venir. Quand il fera froid, vous nous rappelez quand même pour vous mettre à l'abri. Hein? Quand il fera trop froid. Quel âge vous avez ? Oui. Carla has decided to act in France too, but with less media attention. Là, ça fait 3-4 jours. Les personnes que le CMU social aide, ce sont des usagers. On connaît leur nom, on les appelle monsieur et madame.
Et c'est pas parce qu'ils sont sous la rue et qu'ils vivent à côté d'une poubelle qu'on va les traiter autrement. Et c'est ça que je trouvais noble et beau et dans leur travail. Après, je trouve que c'est un travail aussi fatigant et bouleversant et qui nécessite une vocation. J'ai besoin d'un... J'ai le droit à un deux-pièces. J'ai le droit à un deux-pièces cuisine. Je peux ma demande. Auprès de la mairie. Tout n'est pas une affaire d'abri ou de soupe chaude, mais parfois aussi une affaire de contact, de ne pas leur parler debout quand ils sont assis, de leur tenir la main même s'ils sont, par exemple, plein d'alcool. Donc je pense que ce contact est la partie la plus poétique de ce travail, quoi, la plus humaine et la plus sensible. C'est un peu la note sensible. During a state visit to Brazil, Moda Fusion, a Franco-Brazilian association which recycles plastics, caught her eye. They make clothes recycled from rubbish collected by children in Rio's shantytowns. It's a non-written rule of the French president's official trips to do a lot in a very short time. Madame Carla, okay? Okay. Is my project against sexual abuse of children. Okay. Please help us. I will read it carefully. I'll try to help. Oh, thank you very much. Non, on n'a pas le temps. Malheureusement, de parler aux gens. Mais peut-être je pourrais venir si c'est pas officiel. C'est officiel, il fait quand même. Flag bearer of her chosen causes. She's a fleeting visitor with very little time. Isn't it frustrating? Vous m'avez vu au milieu de ces gens et vous avez vu le travail de ces gens. Donc, même si ça a duré une heure, ça a permis une visibilité. Et pour ces personnes, cette visibilité est très importante. Bien souvent, quand j'organise les programmes, quand on organise tous ensemble les programmes, bien souvent je me dis, mais est-ce que ce temps-là n'est pas trop court? Et en même temps, ça nous permet de donner cette visibilité aux gens, et eux ne se plaignent pas que ce temps-là soit si court, puisqu'il est court, certes, mais tellement répercuté dans les médias ensuite, et puis je réussis à attirer les médias vers des choses qui ne les attirent pas trop d'habitude. Carla's touch is an undeniable bonus when it comes to media coverage. What about the statistics for the foundation's first year? A budget of around €500,000 used to launch a grant program for art and cultural studies, to finance organizations fighting against illiteracy, or to plan visits to prisons, hospitals, and disadvantaged areas, like the one to the children's choir in Bondy in the suburbs of Paris. On peut dire que vous entrez en politique. C'est pas de la politique, ça, c'est pas pour me faire élire, non. Non, vous vous trompez complètement. Je rentre pas du tout en politique. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon métier, et je trouve ça d'ailleurs un petit peu absurde de croire que tout ce qu'on ferait serait pour être élu. Je trouve ça même triste, votre question. When the president receives people at the Élysée Palace, Carla has taken to being as invisible as possible. Je passe par derrière, sinon. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sont les diplomates. Ce sont les diplomates. Bonjour, monsieur. Là, je suis très tentée d'aller piquer le casque du monsieur, mais je ne vais pas le faire. Ça va? Tu es prêt? Je suis deux minutes avec vous. Ça va? Tu n'es pas trop fatigué? Non, ça va. Et toi? Surtout, merci. Elle nous a fait visiter ce magnifique palais. La vérité, c'est qu'elle le connaît bien mieux que moi. Moi, je suis toujours dans les mêmes endroits. En tout cas, tout le monde nous dit que vous vous intéressez à toutes les choses et vos ordres sont répercutés à la seconde. Tu pars. Ouais, je vous promets. Non, non, c'est vrai que je m'intéresse au bouquet de fleurs, au menu. Bon, mais...